Les vrais coupables devraient être châtiés. Les coupables doivent être jugés, condamnés, des vrais. Disons, criminels n'ont tout n'a pouvoir qu'il. Voilà, nous avons créé Guinée, Ramed, Dimed, Foré, Mali, Kamaranara, ce sommet. On a fait un peu de mini, un peu de mal parce que. Ibn Adam a fait Nara. Ma bori a fait Nara. Ma communauté a fait Nara. Non, ma fallu, on a fait ma bori nama. Parce que ma bori moufan. Et mon ma communauté est l'année. Je ne pense pas. Ibn Adam m'a compris. Attendez. Ibn Adam m'a compris. Je ne sais pas si je vais guérir le mal. Ma combat ne m'a pas guéri le mal. Je ne suis pas là pour attaquer des gens qui n'ont jamais gérer ce pays-là. Non. Ma guérir, c'est contre l'injustice. Ma guérir, nanaki. N'a follow depuis 93. Parce que l'élection en Abba 93, j'ai pas aimé. Et le pays allait très mal en Guinée. Rien comprend rien. Vous en témoigner. Mbarao Makhandi, continuez à faire votre combat. Notre combat est totally different. C'est not the same. À Kirimara. Mirio Miri, qui combat là-bas, mais il faut faire attention parce que attaquer des gens individuellement, on bire na denre, on vire faire loi pour inama. Mirina Ramou, c'est pour que na falama. Homme d'affaires, non, non, ma affaire, mon ami, là. C'est des choses personnelles, ça. Mais Mirio finit directeur, là. Anna finit ministre, Anna finit chef de cabinet, Anna finit responsable dans un pays pour faire une gestion pour toute la nation, à attaquer Mané, à dénoncer Mané, parce qu'à bêtise, n'a pas bama, bama, yama, kobri, nana. À ouler, n'a pas falama, falama, yama, kobri, nana. C'est ça ce qu'il faut interdire. On brim vieux fait pour faire une on a colon, ça rien n'est maquiné. Et mon homme a fini de manguera. Il m'a continué les bêtises là-bas parce qu'il t'en a fait, il est exemple fait, bon idée pour moi. Il t'en a fait de créer et protéger les fils de ce pays. Il m'a là-bas. Bêtise n'a rien là-bas, mon roi. Injustice n'a rien à mon roi. Non, je ne combat pas. Pardon, ok, il a fait. Mais il y a une chose que je fais bien. Je d'abord, il m'a fait ma ministre. Il m'a fait faire. Non. Quand il m'a dit, il m'a fait maman. Rio, il finit responsable, il a la Guinée Kafa, il finit na Rayura, il m'a fait maman, au Rafa, beba. Au temps d'Alpha, Dimed Mouyeri perdra à Nira Kosa, Mouyeri perdra à Rabangira, même, j'ai un vieux ici, à Gabé Tonton, et Rabangira, le président Naramak, le premier ministre Naramak, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est quoi ça? Walou, au nom d'Oti, non d'Inama. Moi, je suis là pour attaquer des gens qui n'ont. C'est-à-dire, je suis avec le gouvernement. N'a injustice, n'a rien à qui, n'a pas tuerie, n'a rien à qui. Rami Liri, à Colom, à la barre, n'a rien à qui, n'a famille, n'a. On est en cui. Et la famille n'a pas en cui. N'a pas en cui. Oh, fa, bébé, parce que je pense, moi,
Bobo, yeah. I don't know why what happened? This phone always lose connection. I don't know why. The Google phone one, yes. He's, I have no idea, Bobo. So that means it's not a good phone, right? Donc, moi, oui, a cigar nanama, hantina, wa matoto. And this is not a la Guinée. At a former name, Ramura Bafira. At a former name, Rira Mirimara. At a former name, Hanami Betama, parce que Namem Riba, Walu, Yusina, qui est non. Ni Nara. Et ta mangue ni moufisa, c'est à ni bé. Et ta mangue ni moufisa, c'est ni bé. Et il faut finir Mangera de tuer les Guinéens, de faire du crime. Ma combat n'en a qui. Rimouna n'en a qui, ou mou y rekere. Y'a pas, je n'ai qu'à mou monétiser parce que je ne raconte pas des histoires ici. Je dis ce qui est réel. N'a la marafala. N'a mou torori. Y'a mou monétiser. Ça fait 8 ans. Même 1 cent. Mon Facebook m'a envoyé et rassouillé. J'ai un problème sur l'autre. Vous pouvez, on a maintenant ce soit Mali Kamarama ou ce soit Mangeluna parce que la connexion perdue. Je ne sais pas pourquoi. Venez de l'autre côté. Donc, Yandi, il va guérir mon ameni, il va guérir ce soit pas contre. Et Myriam Moufini m'a mangé à la Guinée. Il y a une justice légitime dans notre pays. Il mourra dans notre pays et qu'on te laisse partir comme ça. Non. C'est pourquoi Iborima est estoffé. Les méchants, les criminels ont toujours été protégés dans ce pays. Pourquoi? Tu peux juger Dadis et laisser Sekouba. Pourquoi? Dans les conditions normales, qu'est-ce que vous voulez? Et tout ce n'a rien à pouvoir, Mike To. Et tant que nous n'avons pas ma, est-ce que témoin n'en a n'est là? Pourquoi vous ciborez jugement et laissez les autres? Oui, Rama, aborivant Manaki, on fera 200 ans dans ça, il n'y aura rien. Les vrais coupables devraient être châtiés. Les coupables doivent être jugés, condamnés, des vrais, dis donc, criminels dans tout le pouvoir. Qui est guéri dans qui? Mais il n'a rien fait. Sacrifice, mais là. Mais il m'a fait ça. C'est pourquoi Alpha n'a que les Guinéens n'ont pas de mémoire. Il a raison. Parce que les Guinéens oublient vite. Ça ne se doit pas comme ça. Il faut punir l'injustice. Il faut punir ce qui rend ce pays ingouvernable. Oui. Ce sont les gens qui ont été. Mets-toi à l'aise, mon frère. Alpha Rilimbama. Mais, Kassur Rilimbama, Komora, Nassé, Tchekouba, non? Nécessaire Rilimbam, parce qu'ils ont géré ce pays, ils ont échoué et on continue à nous criminaliser, on continue à détruire ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? Rifara Veno ou Nkobi Kerara, mon frère, ni Narambari, Borima, ou Lekui, tant que Namakiti, la Guinée Moufama, dans la Flaube. Et nga fara oube, inu gereso ma mri oube, aga gereso se soyi. Kon ga gereso se muna mri, isiga me ma yerdine, iga dunena na gate mema. Kwe so nou kweba, brin no aga sistem nara. Mou mri ma lima gereso de aga gereso se mouni, ke? Gereso se na fema, sa sa, la verite. Bala fala, une fois, deux fois, luttons contre l'injustice dans ce pays. Luttons contre l'ethnocentrisme dans ce pays.
mettons quelque chose dans ce pays pour au moins créer l'emploi pour la jeunesse guinéenne. C'est ça. Il y a eu des ministres de l'investissement, des directeurs de l'investissement, des quoi. Qu'est-ce qu'on a? Si c'est pas la corruption, mensonge, houlé, criminalité. Faut arrêter, frère. B. Quand il t'amène à bord, il m'a ramené à Sarie, il t'amène à bord, il m'a Sarie, il m'a ramené à Sarie, il m'a ramené à Sarie, il m'a ramené à pouvoir, moi. Et t'as dit, il t'a parce que, Haïssou, il aura raison sur toi. Est-ce que, attendant, la gestion publique, amouna, il y a l'imène à faire. Moi, je parle pas avec des blogueurs, non. Je n'envoie pas quelqu'un de dire quoi que ce soit, à cause de quoi que ce soit, Marabama. Pourquoi? Parlons de la Guinée. C'est ça le bien commun. C'est ça l'intérêt commun. Je n'ai pas monétisé. Je n'ai pas intervenu. Fode Abbas et Yanati. Parce qu'on ne raconte pas des histoires. Fait dans la Guinée, mon nom fait la fille. Il fait la Guinée, canira, il n'en fait la main. C'est pas pour porter ou protéger l'intérêt personnel des gens. Moi, je suis pas dans ça. A crime raté la Guinée, c'est fini. A injustice n'a raté la Guinée, c'est fini. N'est rien à faire la main. D'ailleurs, où la mort est go. Il m'a pas possessionné. Quand on y a la main, à d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est pas vrai. C'est quoi un groupe protégé et Boré Gigi? Est-ce que Boré n'en a qui? N'en a pas la dahara. 28 septembre, j'ai une vidéo ici, n'en fait maya, que c'est quoi a dit. Ce qu'il avait dit, j'avais ça ici. Je ne sais pas, mais je l'ai. C'est pas moi. C'était lui. Et c'était lui le patron. Et vous voulez qu'on se taise? Wallo. Maintenant, parce qu'on parle de la basse-côte, oui. Mais bête en basse-côte, canard, basse-côte, dit en basse-côte, canard. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit, en 93, je n'ai pas aimé le pouvoir de Conté. La Guinée, quand il faut l'air. Les mêmes personnes gèrent ce pays. C'est quoi ça? Il t'a mon atouri. Il dort, il n'a fourra FIFA. Ça te dit rien? Je vous en prie. Continuez à faire le combat de votre façon, de votre manière. I'm not here for you guys. Moi, je suis en Amérique, mais je ne suis pas là. Fouillanté à Ramontando, Obédé. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Et tout ce que vous voyez avec moi, je l'ai cherché. Je ne suis pas là pour eux. J'ai travaillé aux États-Unis. Mon nom, il y a un peu de qu'on a créé. Parce que moi, non, il faut un peu de temps. Aux femmes, ça rien n'a pas faladé. On n'ira pas ma dish, boribara toro, boribara, boride bar gao, et ma colle borisso makina. Il faut d'abas ma warman. Il m'a nommé fade mangayara, iri acharne, si batima. Ito, ina, wo mirera boriba meira, forcera, amu borifama, mobara kato, somali, arayon kinare. Konarimu fefe colon. Mais il m'a dit, il n'a pas le temps, le talara.
wenyi tungamara wenyi falamre na noma fende de tongi y Facebook na iki amura ba real ko tuiran mire clashé non mon frère mire na mire farari ina makite ke kaoru tana farau be. Pourquoi la Guinée est formée? C'est parce que je ne supporte pas, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Nous avons intéressé, mais il a frappé la Guinée. La Guinée dit qu'il a gifé Roima. Parce que Birmo aventure, non. Il y a un homme fardé. Il y a un Africain qui est en Amérique. Il y a un Somalien qui est en Afrique. Il y a un à UNICI, l'an 2005. Et nous avons remettre un homme à Hamidou. Allah ya Fima. C'est pourquoi il y a une aventure ou bien il y a une aventure ou bien il y a une aventure. Il y a une aventure. Il y a une aventure. Mais il y a une aventure. La Guinée a fait une aventure. Les innocents, les faibles, ils ne sont pas les autres. 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 Le combi femme a tiré, il n'a de combi l'on a combi dans manane. On n'a n'a iki. On n'a tout. On n'a on n'a rien ma guinama. On s'arrête à création. On n'a ma toile à n'y a ma kinare. On m'a pourri barakana. S'arrête à mon an ensemble de beau arme l'on a une nanara. Fanaki. On faut des mahori mananama. On va tout faire dans la fée grand tique. Elle n'a pas fait Mindé. Elle n'a pas fait la Guinée. Elle n'a pas fait Bascot. Pourquoi? Bon, oui, Dieu n'a rien. Quel est le rapport? D'abord, c'est un grand signe. Et ma, Ndara, Namukolo. Womu tongo na sera womu genima womu sigama ire amura bama region yokui arabama pas ginene pourquoi wona sus na fema parce que hasari na ra appliquer baskotne wona sus na fema pourquoi arabama baskota wona sus na fema moa wena kofi ntana ma wai folo. C'est ça d'ailleurs l'importance. C'est ça, moi maintenant, pas pour avoir quelque chose ici, Facebook rassuré, non. Marakele renama. Anaraba li ma patriotisme yabarakana. Awa magirina nanana. Et ma ma falama me rifamba si abo endi falabi rantapant. Mouna maintenant falena. Mounarabama. C'est ça, la vérité. Donc, toi, on va ma fode ma orinde parce que. Mara yanati il y a tellement de maculons qui périment. Fanu a ma dead d'infé. Injustice nana la Guinée tour la Guinée kala magana hana ba. Nana o magiri nana ki pas autre chose. Frère, faut nara la loi kiri nana nana ndira. Abiri nana ki. Et donc moi ça m'intéresse pas. Je suis pour la vérité. Moi, et je vais combattre l'injustice dans notre pays. C'est ça ma mission. Si vous avez d'autres missions, mais une dende, la Guinée dit phare, moi, tolérément. Non, 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 dira. Et
Puis gamire fade, il m'en fa fala me rati tangambera pour te supporter. Pourquoi la fera? Ça c'est. Américain, that's been stupid. Shit. Nagre de douleur. Alors, c'est Bangoura. Oui, mon frère. Et Bangoura, par fin de formara, Koloma, Ouen, Nabe, Achaoui, Roro, Gessega, après deux jours de vol. Donc, il a colonqué. Oui. Oui, mais pas de gros tignes, Ramadi, Mamadi, Mayen. Ok. Une minute. Ça marche. Oui. Voilà, nga créé fodé na fafé après ñanat fam matumané parce que nous bara xel nu amuno téléphone tondé mo fam di fala nga créé bé transition mara bêtise nara des bandits comme ça là criminel boritungo otage puis on prend un premier ministre corrompu d'abord. Naga ube lobbying na iborik lobbyists et lobbying na iborik fakasi. Anamara, comment commercer non ma recommandation na pas de gouvernement qui des hommes d'affaires en Guinée. Pourquoi? Afin de kotara. Baouir rafafé men moment de se lénara. Pour couvrir leurs dégâts. Et vous connaissez ce que les gens là ont fait, leur groupe dans ce pays. Voilà. Nanara. Et en amas, ils seront jugés dans ce pays-là. Allô? Oh, oui. Monsieur Bangoura, bon, je disais, à toi, Barafindi, trois jours, n'en faille que au monde, on aura mis un gars craigné, ma. Et n'a sa fatan, occupation qui est en n'a qui. On met la tour fin en dang fait la Guinée. Alors, on a un m'fara la Guinée. On m'a guéri, on a contre l'injustice dans notre pays, contre l'ethnocentrisme dans notre pays, mensonge également. Parce que, après 50 ans, 60 ans, on m'a fait une rangata, on m'a fait une rangata, on m'a fait une yamunara, ethnie yamunara, mais groupé dans la Guinée depuis Sautre Ratanha, y'en est dans la Guinée, j'y refais. Pourquoi? Emutima non dira, emutima wulera, amin, ega non di wulena. Kiti muna sari emuna, justice ne tanayi. Donc, inomana se falade la Guinée kama mbeto, parce que fe na andang fe na amfinde wo ma justice ra. Na amfinde krim la la Guinée kuto, ande di bar horo. Iki hura mene mwoma sori fama, parce que fanyi fanana. Ma question nan nakito obe. On va évoluer na kou yande. Donc nana. Merci. Mara era matikan yebil lebu. Nam. Mar legne nyama lebu. Mara mikbe lebu. Ala umali. Alam mamina. Ala uti nondira. Alam mamina. Ala wa uta gayan fema. Alam mamina. Il y a une forme de patriotisme dans le pays. Et René Mara en Angleterre, un patriotisme des affaires. Non. C'est-à-dire, il nous fait, il peut évacuer de la Guinée, il vient de sauver un ami. Il a voulu, il a donc une démagogie là-bas. Il arrête la Guinée en affaire. Il voit que la Guinée rira. Et la Guinée est défendue. Il a hier et il a. Il y a un marchandise, mais il y a un bien cuit, il y a un marchandise, il y a un de suite. Oui. Patriotisme des affaires. Il dort dans le service public, il rappelle la maman,
il y aura tout ce qui est qui fait ce qu'on appelle conflit d'intérêt, hein? Non, pas conflit d'intérêt. Ah. Prête-nom. Prête-nom, ah. Voilà, ok. Non, prête-nom, il y a conflit d'intérêt aussi. Parce que Ali, mais il t'a dit la Walfe, il n'a douane. Et directeur de douane, général, qui est transitaire là, mais il y a conflit d'intérêt. Oui. Là, c'est manifeste. On ne peut même pas se discuter. Moi, il fallait d'état, mais il y a un arabe là-bas, fille. Et au voilà là. Mais Rali, il te donne pas la société de créer, mais il y a un conflit d'intérêt, il y en a qui ne doit. On ne peut même pas aller. C'est-à-dire, on a un arabe qui a voulu un cri au Maborima. Et le jour où nous allons faire des choses de façon normale, on a loi à ça, on a respecté, puis on a respecté. Au moins, il va plus respecter. On a loi à ça, on a 80% respecté. Et puis là, on va trouver son chemin. On ne redresse pas un pays par un décret. Et des décrets partisans, des décrets communautaristes, des décrets régionalistes, des décrets de clan, ça ne marchera pas. Parce que vous n'avez aucune légitimité de nommer les gens qui n'étaient même pas à la fonction publique, qui n'ont jamais fait le. Vous les prenez, vous les mettez dans le truc, ça ne marchera pas. Dans une semaine, deux semaines, ils vont organiser des tests au niveau de la fonction publique. Naran Nana, c'était l'ancien porte-parole de PDN. C'est un militant de Kouyaté et qui va organiser. Parce que lui, il a compris le topo. Il n'a pas besoin de militants, il a besoin de l'administration. Placer ces hommes à des postes stratégiques. Avant maintenant, après dire maintenant, on va faire Talakou, on va faire ceci, cela, on va créer la CENI, allons-y aux élections. Après avoir meublé tout, il a remis ses hommes partout, dans l'armée, partout, dans l'administration, et avant de dire ça, Matap, quel pas pour les administrations du territoire, Harenon, avec la ramirée là. Mais nous, aujourd'hui, qui sera fait par là, il y a un problème qui guette l'armée. Et là, on ne va pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Je le dis, il m'a remis. Et je l'assume. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'assume. Ah oui. Moi, je suis en train de me faire. Je suis en train de me démissionner. Non, je suis en train de me démissionner, etc. Je suis en train. Parce que ma maman n'a pas prêté serment. Je suis en train de me prêter. Je suis en train pour te créer. Quand tu es parti créer, quand tu es pas pour, tu as décidé de ma mobilité. Voilà, dans l'intérêt de la Guinée, dans l'intérêt de mon parti, ainsi de suite. On a ce cas. À Kanaoura, on a assumé. On a assez ça, mais Bataouma. Nos mamans, c'est des pauvres dames qui ont géré leur vie dans l'honnêteté. On t'en a voulu cuit. On n'a pas voulu cuit. Mais on a un gars accusé. Après, t'en as la barre. Et toi, la barre, avant le canerement, on va pas faire une qualité avec elle. Ça ne marchera pas. Vous avez servi tous les régimes. Et vous n'avez pas servi la Guinée, et c'est ça la vérité. Mais tu n'as pas pu armer puis. Mon frère, ton sort est servi rien. Une bonne partie des officiers sont payés par PK. C'est-à-dire, et Paris, moi n'ai pas la chose, oui. Et Paris, c'est dans l'Orange Money, ou bien Wesser Union, et plateforme qu'elle a créée pour payer les gens. Et pour payer l'armée, il faut passer par cette plateforme, ou bien, et nous a transfert là-bas. Voilà. Transfert là-bas, il y aura téléphone et cuit. Il y aura seulement de contre-goutte. Mais ça, c'est grave pour une armée. Une armée, en principe, les gens doivent être payés physiquement, ou bien, il y aura seulement viré banque. Banque, oui. À viré banque, ce qui est l'Ira, il sera retiré. Mais il y aura seulement de contre-goutte. Ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est plus une armée. Et vous êtes en train de détruire tout. Vous êtes des affairistes. Et ça, c'est grave. Et ça se fait au ministère de la Défense. Oui, Koumi dans l'arrêt. C'est ça la vérité. Et il ne fait que détruire notre armée. C'est pas normal. Là, je n'accuse pas. Qui que ce soit, c'est lui. Parce qu'au départ, il était ministre délégué. Maintenant, il est ministre d'État. Et il est là-bas, c'est lui le ministre. Avant, il disait que c'est Mamadi qui me donnait des instructions. Maintenant, c'est lui qui donne des instructions. Parce qu'il est là-bas. Non, 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 tu vois. Et il est le plus ancien, hein, au
niveau de grade plus élevé, même malgré que à ce tournée par complaisance. Namoudara armé cuit. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a des colonels aujourd'hui qui ont été bien formés, qui ont fait de bonnes études, qui sont allés dans les écoles de guerre, qui sont mieux formés que vos miliciens que vous avez élevés comme ça, là. Je le dis et je le répète. Certains miliciens que vous avez gradés de façon rapide. Parce que tout simplement, ils sont les représentants des politiques. Voilà. Qui veulent venir après au pouvoir. Ça aussi, ça ne marchera pas. Vous voulez envoyer ces gens-là à la retraite? Ils ne seront pas à la retraite. Nous allons leur dire de s'opposer. Parce que vous gérez très mal la carrière des gens dans l'armée. Parce que l'armée, vous voulez Nara. Parce qu'après Borona, il y a rien de mal. Vous êtes en train de gérer la Guinée par communautarisme, clanisme, régionalisme et ethnocentrisme. Dans l'armée, il n'y a plus. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, la seule force sur laquelle on pouvait compter, c'était l'armée. Et ça, c'est le Kouyaté et Komora et leur bande. Et plus Idi Amin. Voilà. Il y en a un canal. Mettez Yomara, ça l'a mais au fond, ma PID, vous allez payer tous. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Pour obéir à Colomb, sort et Toro Kinabe. Il y a des colonels qui ont été très bien formés. Et vous êtes dans des grades supérieurs. Pourquoi ils ont bloqué? Ils ont bloqué ça parce que ils vont me rentrer de retraite. Grade colonel, mais. Nous sommes le lieutenant-colonel Moumarchima, nous sommes le commandant Moussikama, Idiassi, nous allons nous opposer. On ne peut pas tout faire pour nous retourner, nous allons retourner. Nous allons dire qu'il y a des gens difficilement, en tout cas de la Guinée, je les voyais difficilement. J'ai vu Diarra, j'ai vu le lieutenant Diarra, hein? Il est devenu général. En combien d'années? Quelqu'un qui a quitté sous-lieutenant. Quand on faisait les événements 2 et 3 février, quand ils ont bombardé le palais, on a dit vous êtes pire que les colons. C'est la colonne noire. Et ça ne marchera pas. Écoute-moi très bien. Parce qu'il n'y a pas le film, il n'y a pas le film. Et mon frère Malik, oui. Dans ce nombre, il y a parlé de Yakosia. Dans ce Kouma, Aboura Poula Poula Rato Poula Yaraboura. Vous savez très bien. Alors, avec le centrisme et le communautarisme, sont deux fléaux ou attitudes extrêmement dangereuses pour la stabilité de notre pays. Ok. Donc, tous les jours, nos institutions, ça va déchirer nos institutions. Notre tissu sociaux, les tissus sociaux, voilà, comme en flatinerie, et mettre en danger de vivre, vivre ensemble. Le cas du Rwanda, c'est un exemple qui a laissé des cicatrices. Voilà. Ainsi de suite. Alors, que l'on vous donne, lui-même, il est là-bas parce que c'est nos ethnocentristes. Sinon, il ne peut pas être président de CNT. C'est par ethnocentrisme qu'il est là-bas. Comme maintenant, il est décrié aujourd'hui. Et comme il s'apprête à sortir une constitution taillée sur mesure, il veut faire des opérations de com' pour se racheter. Vous êtes à la base de cette ethno-stratégie qu'on a développée dans ce pays-là. Vous allez payer la facture. Écoute-moi très bien. Tu as détruit le régime d'Alpha Condé. Tu as décimé la société civile. Tous les gens qui étaient là-bas, même quand Yaoundé a été assassiné, tu as été incapable de faire sortir les gens pour manifester. Il va parler des timénistes de là-bas, il dit là-bas, il y a mon moto. Où il périt, il contacte qu'il a même pas côté. Daouné est mort, ce que vous avez fait, Wakolo. Ben est mort, ce que vous avez fait, nous le savons. Fofana est mort, ce que vous avez fait, nous le savons. Magbe Bangoura, qui est ma tante, est morte sur la route de Fria. Nous le savons, avec certains journalistes, vous ne parlez pas de tout ça. Le journaliste même qui a été aussi, qui a disparu. Le nom est Yalola. Oui, Han Yamuto.
vous ne parlez pas de tout ça. Vous pensez que Momoto, oui, père, vous allez nous rendre compte. Il n'a pas la légende qui. Oui, il n'a pas la légende. Mais moi, mon ami, ceux qui vivent dans la misère ne peuvent pas avoir la même. Mais non, c'est que tu ne peux pas. Quand tu vis dans la précarité, tout le monde a une manière de faire. Mon frère, quand tu vis le jour, et nous, on va s'y comprendre. Mais nous, on vous observe, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, on vous observe. Rappelez-vous. On y a un homme, habillé, bim, 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 des vendeurs de friperies et que les vendeurs de friperies masculines ne sont pas tous des analphabètes et que les analphabètes masculines ne sont pas tous des patriotistes et des patriotes d'affaires. Non, non, non. Voilà. Tu es là en fonction de tes intérêts et puis tu raisonnes. Il n'en est pas question. Nous allons défendre la Guinée au prix de notre vie. Aujourd'hui, vous parlez de l'ethnocentrisme parce que c'est clair. Vous avez fini de meubler la Guinée dans le clanisme. L'ethnocentrisme, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un régime tribal, un régime communautariste, un régime qui a légitimé l'ethnocentrisme, le régionalisme et le clanisme comme le régime là. Je n'ai jamais vu pareil. Je fais comme Mandela. Et Mandela, il fait le contraire de ce que Mandela a fait. Non, pas, je fais comme Jérémy Arlin, il fait le contraire de ce que Jérémy Arlin a fait. Ça, c'est quoi ça? Oumoutoumou, Moussala, Oumoutoumou, Moussala. Non, on n'a pas fait. Il faut que l'armée s'oppose à ça. Le bétage. Pourquoi il y a un intendant? Pourquoi on ne vire pas l'argent des militaires dans une banque avec les comptes individuels? Oui. Et certifiés. Pourquoi on ne le fait pas? Toi, nous m'allons s'obéir là. Et ça me raconte dans mon mari. Comme il fait, on m'a perdu parce que c'est quoi ça? Ils ont travaillé. Le mois, autant d'or, ils luxe cuit. Ou autant de salam, bien vite, bien combien. Ou ça, on a donné à des veuves. N'avait pas de monnaie à tranquille. Soit il n'en a rien de ça. Il a vu ça qui m'a ainsi de suite. Salariat, c'est pour ça de vous faire comprendre. Mais des patriotes, une ancienne dame, deux palais. Il y a la ville à Sili qui est en location. Il y a une autre villa. À Kamaïd. Et après, il y a Sectouya, il y a Bellevue aussi avec tout ça. Vous avez libéré la Guinée pour vous servir, ou bien vous avez libéré la Guinée pour servir les Guinéens. Même le colon blanc n'avait pas ça. Ça, c'est quoi ça? Vous abusez de notre bonté, vous abusez de la générosité des Guinéens. Mais nous allons vous répondre par vos. C'est-à-dire, nous allons prendre des arguments dans vos faits et gestes. On va changer aussi le temps. On a que on a mamato de où était mamato ou si on de où était mamato on a la non on a la papier à sa femme. Mais ben c'est nous, non ma parole, vous êtes des ethnos, vous êtes des régionalistes, on ne peut pas gérer un pays. Vous êtes des communautaristes. Comment dans un pays vous pouvez venir à la justice, vous pouvez juger l'aile gauche et vous laisser l'aile droite. Vous jugez tout ce que Babis et son groupe, et vous laissez Sekouba et son groupe. Ça, c'est quoi? Si ce n'est pas par ethnocentrisme, si ce n'est pas parce que vous êtes en train de faire de l'injustice caricaturée. Le procès, là, c'est comme le procès d'un narcotrafiquant en 2010. Ça a été bâclé, et c'était de la comédie. Et c'est la même comédie qui continue. Et c'est pourquoi on n'a pas sanctionné les narcos. Et ils sont revenus encore en force, et ils sont maintenant au cœur de l'État. Voilà la vérité, c'est ce qui touche maintenant la Guinée, qui est devenue l'histoire de Colombie. C'est fini. Qu'on le dise ou pas, moi je dirais ce que je pense. Je vais dénoncer les faits tels que ça se passe. C'est pas ce que vous voulez que ça soit. C'est tout. Mon indépendance là, ma liberté là, je l'ai eue, c'est pourquoi je suis devenu avocat. Sinon, je n'aurais pas porté la robe. Si je ne suis pas capable de défendre mes propres intérêts et dire, défendre mes opinions, ce n'est pas la peine d'être avocat. C'est ça. Moi, je ne dirais pas, c'est ma maman qui m'a dit de faire ça ou bien ceci, cela. Ma maman chère ma vie privée, mais pas la vie de l'État. Et pas ma vie professionnelle. Elle n'a jamais été soumise au serment. Ou bien, vous voulez faire la fille, ou Mouratifa. On est fatigué de vous.
mais pas des hommes d'État. Le jour où on aura les hommes d'État, on aura des autres. Femme Sylla a refusé de nommer son frère. Même juge d'instruction. Il a refusé. Il le met comme stagiaire. C'est pour Sylla. À l'époque, il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Vous, vous prenez des gens qui ne sont même pas des petits, qui viennent de sortir de l'université, qui n'ont même pas fait de stage, vous les nommez à des postes stratégiques. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous pensez que nous, c'est parce que nous voulons respecter la loi. Quelle université d'ailleurs? Vous nommez des gens, non, vous nommez des gens, des réparateurs de radio, oui. Conçus. Mm-hmm. Vous nommez des mecs, ceux qui ramassent des ferrailles, vous les nommez ambassadeurs. Or, il y a des textes, et vous savez que les textes existent. Après, vous êtes les premiers à crier, ah, les autres ont violé la loi. Et vous êtes les premiers violeurs de la loi dans le quotidien, en quotidien. Qu'est-ce que vous allez me dire? Tout le monde sait que ce qui s'est passé le 28 septembre. Où sont les charniers? Vous faites un procès, il n'y a pas de charniers. Il n'y a pas de preuves. Vous ne sortez rien, vous cachez tout. Parce que tout ça, ça va remonter jusqu'à quelqu'un. Et vous ne voulez pas. Tous ceux qui ont garanti le pouvoir de Alpha Condé en 2010, qui ont changé les résultats, il n'y a que deux personnes qui sont aujourd'hui en prison. Voire trois qui sont en prison pour des règlements de compte, je ne sais pas si c'est une prison, mais ils sont en prison. C'est Kassori, c'est Gagné, c'est Bill Gates, et quatrièmement, c'est qui? C'est l'autre, comment vais-je appeler? Et Kouma. Alors, les autres, ils sont venus après. Les Mamlamid Bangoura, ainsi de suite. Mais pourquoi mettre Mamlamid Bangoura en prison? Vous avez fait sortir d'autres, vous avez fait fuir des autres. La preuve, c'est très clair. Parce que vous ne voulez pas juger vos proches. On irait dire, où est la mini? Par la complicité de vos milices, de vos miliciens, pardon. Voilà la vérité. Écoute-moi. Regarde-moi ça. C'est comme ça qu'on a été, il fallait que. En avril, il fallait que le 28 septembre, il y a maintenant, il y a maintenant. Tu as compris? Oui, non, tu as l'envie. Dans ce procès, chacun est représenté là-bas par un avocat ou bien ceci, cela. Ils n'ont même pas pu défendre le dossier parce que le dossier n'est pas très difficile à défendre. Parce que si tu veux défendre le dossier, il fallait demander la comparution de Sékouba Konaté. Si tu veux défendre le dossier, le chef d'État, c'est le chef d'État-major, Sano a été clair. Il a dit, tout ce qui était à Kalea, personne n'a été radié. Kalea, c'est Dadis et Sékouba qui ont recruté les gens. Ils ont dit que c'est leur affaire et que le chef d'État-major général ne peut pas se mêler de ça. Il l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Juge. Si vous êtes juge, voilà la piste. Maintenant, confronter Dadis à Sékouba. Comment tu peux confronter Dadis à ses subordonnés? C'est une humiliation de plus. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un procès, c'est une farce. Voilà. Je le dis et je le répète. D'ailleurs, ça me fait pitié de voir les gens, même des grands avocats sont bloqués dans la plaidoirie. Parce que quand tu plaides un dossier, tu envoies des preuves. Et tu dis, voilà. Les aveux sont là. Ou bien, à l'issue de l'enquête, voilà ce qui a été établi. Comme le cas, par exemple, des charniers. Comme le cas des cadavres. Voilà, il y a eu des cadavres. Les cadavres, là, il y a eu des autopsies. Il y a eu ça. Il y a eu ça. Et qui a livré les choses? On a donné à qui? Qui est allé mettre les gens? Mais vous ne connaissez même pas les charniers. Vous ne connaissez même pas. Les disparus, on n'en parle même pas. C'est quoi ça? Ça, c'est pas une comédie. Pour dire qu'après, chaque victime a 2 millions de dollars, 2 millions de... Mais attends, 2 milliards, c'est quoi par rapport à la vie humaine? Qu'est-ce que vous êtes en train de marchander? Arrêtez tout ça, là. C'est pas un procès, ça. Le monde entier vous a regardé. Personne ne mettra son argent dans un pays comme ça. Sauf les mafieux. Je vous le dis et je le répète. Il fallait même pas médiatiser ce procès. Parce que ça met notre appareil judiciaire à nu. Et ça a été une humiliation de plus pour la Guinée. Voilà. Et c'est ça la vérité. Et je le dis et je maintiens mes propos et j'assume ce que je dis. Voilà. Alors, on ne parle pas de ce procès parce que ce n'est pas un procès, ça, c'est une farce. Voilà. Où les gens viennent faire le stage, ainsi de suite, dans un procès à un niveau très élevé comme ça. Ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui viennent là-bas pour défendre, pour ne pas qu'on parle de tel ou de tel. Parce que Ramirina. C'est comment dénoncer les gens qui regardent le stade. Personne n'est là-bas. Ils nous retournent. André Bindrifala, Rabban Sabamir Arabe, Rewama, vers la fête. À Tongouba, André dénoncé. Quel est Nana?
Kéremouna. Tu peux juger. Tu peux juger Dadis. Hein? Tu peux juger Dadis ou l'empêcher de partir. Il n'est pas parti. Mais alors, tout le monde sait qu'il a commis des bêtises. C'est ça la vérité. Il a commis des fautes. Il a commis même des crimes. Oui. Mais à quel moment il n'est pas sûr. Si on doit le juger, on doit le juger avec tout le monde. La loi est ega omnes. Voilà. Le principe de la légalité, il faut l'appliquer. Si vous ne l'appliquez pas, libérez tout le monde. On ne peut pas juger seulement ceux qui sont venus de forêt ou bien quoi. Je suis désolé de le dire, mais je le dis. Parce que Ramar Fala, que je suis malhonnête intellectuellement. Voilà. Et vous épargnez vos parents. Mais ça se voit. C'est ça, parce qu'ils auraient dû servir. Et le problème de ce pays-là, c'est les coordinations-là. Si vous ne supprimez pas ces coordinations-là, les coordinations-là vont supprimer la Guinée bientôt. Je vous l'ai dit, hein. Non, les coordinations à vocation ethnique-là et régionaliste ont détruit ce pays. La décision de l'État, la décision maintenant, c'est au niveau de ces coordinations. Mais quelle est la légalité des coordinations? C'est des associations, tout simplement, qui doivent gérer des affaires sociales et régler des petits conflits. Mais quand la coordination, c'est ça le cœur de l'État, mais c'est tout ce pays. Ce n'est plus un pays, ce n'est plus un État. Ce n'est plus un État. C'est l'État qui est géré dans l'informel, n'est pas un État. Je le dis et je le répète. Le jour où vous allez avoir des hommes d'État en Guinée, la Guinée deviendra un État. Pour le moment, la Guinée, il n'y a pas d'État. Il n'y a que des clans qui se réunissent et qui se distribuent des butins. C'est tout. Voilà. Et bientôt, c'est comme ça. Et tout le monde a compris que c'est la force qui donne le pouvoir. Mais tout le monde passera par la force parce qu'il n'y a plus d'issue. Et tout est verrouillé. Les urnes ne donnent plus le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut s'attendre à tout un jour. D'abord, quelle est notre lâcheté suprême? Vous êtes en train de dire, demander aux gens de prier. Vous demandez Dieu. Allez, au lieu d'aller chercher Dieu. Mais ceux qui sont en train de faire de l'injustice en Guinée, vous ne les connaissez pas? Oumé Koulou et Namine. Hein? N'arrivez-vous à et vous voulez pas là. Et c'est comme le Togo et sa corruption là-bas. Hein? Avec les faux décrets que nous sommes en train de prendre. Et on a vu le Togo. Injustice, il y a des charniers. On a vu le Togo. Charnier, il y a des gens qui sont là. On a vu l'injustice là-bas. Les prières là ne dérangent même pas Dieu. Parce que, Wali, il peut attendre la ville d'Abbé. La non dinambe, arrivez ici de la non dinanga, la non dinamba rouroin, en bas rouroin. On a voulu n'empli, on a la religion. Pourquoi on parle de Dieu? Vous-même, vous n'êtes pas des croyants. On t'en arrive bien, ma tima, l'église islamique m'a dit, on m'ira passeport Tongo, c'est là où ça paye là-bas. Les faux, on m'ira Tongo, il a voyagé. Bon, il n'a rien de l'amener, comme il fait, on m'ira comme le don. Autant vous savez parler de ma boue, ta maison. Hein? On me sait parler de ma boue, on me sait parler là-bas, de la raison. On a voulu n'empli. Il a dit Mamoud Fadiga. Il a dit Fadiga. Mansour Fadiga. Ihoura Mini. Il a dit Mansour Fadiga. Ihoura Mini. Non, Baba Nangri Falari. Parce que. Ah, ok. Parce que Miss Mila Bara. Il a tourné à Falari. Il a dit Mamoud Fadiga. Il a dit Mansour Fadiga Baba Nanaki. Parce que Miss Mila Bara. Alraya, Pama. Aoumara Barabakima. Oumapori, c'est foutu. On n'a pas là, c'est une rabbine au Lipi, au Mopotna. Au Mopotna, là, parce que nous sommes dans l'injustice. Et tout, mais il a pas là, rabori, et pas il baïra. Quel est-ce qu'il y a là? Quel est-ce qu'il y a là? Et pas il a babi, cana, c'est même pas à bien tout. Vous prenez des gens dont les papas n'ont jamais été, même des bons cultivateurs. Ils se retrouvent aujourd'hui à milliardaires. Mais là, prenons, à Santina Sekabatiri, à Farine Namatiri, à Tamina Matiri, mais où l'est là, nous, Tamina Matiri, c'est du blanchiment, c'est l'argent de l'État. C'est parce qu'il s'est accoquiné avec les gens et il a travaillé pour eux. Voilà, avec les prêtres, non, il y a d'autres qui sont décédés, ainsi de suite. C'est ça la vérité. Au nom du Rome, au nom du Falamon Mourbe, il se met là à comprendre, là. Il a con, il y a autant de secteurs. Voilà, mais il y a machine d'abandon, corrompu, il a con. Puis on a entendu, on a pris le col, on a poussé pour le fil. Amato, attends, quand il va de l'arbre, alors il y a Tamba, mais Amato, Arabi, il a qui l'arrête. On a dit, non, ma queue, à Dunier, c'est un débat. Il y
Il y avait des gens à l'époque, n'avaient pas ma banacoro, mais ils ne sont pas écrits de ça, ils sont plus de combien de millions de francs guinéens, ainsi de suite. Tout le monde pour me coller avec l'État. On a dit qu'on a oublié un peu. Alors, on a raté ça du rabat, parce que ça, les mots sont romains. D'abord, l'archevêque de Conakry, pourquoi vous ne parlez pas comme Robert Sarah, monsieur Robert Sarah? Il faut dire les choses telles que ça se présente. On m'a prédé à Kosia. On a dit, ah bon, c'est que le président de la structure, il y a pas mal, il luttait contre les impérialistes. Oui, je suis d'accord, il luttait contre les impérialistes. Mais sa femme vit dans le luxe. Et puis son fils a acheté des maisons à Dallas. À Texas ou à Dallas? Texas. Texas. Bon. Ah mais alors. Mais ça, c'est pas le cœur de l'impérialisme, ça. Non. C'est le cœur honnête. Oui. Même Moscou aujourd'hui à l'impérialisme là-bas. Pas qui va en être. Non. On a moussécu, on a voulu l'impuis. Vraiment, t'as oublié tout. Si quelqu'un d'autre le fait, qu'est-ce que vous avez à reprocher? On te dit qu'il est généraliste. Son âme. Le garçon vient de se taper combien de milliards et combien de millions de dollars. Il est parti. Parce que bon, il a rendu un assaut à Flamané. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais vous mettez les gens en prison pour détournement. Les gens qui viennent de détourner sous Bambia depuis, on est bien. Ça, c'était les outils, ça. Ils ne sont pas là-bas pour ça. C'est que Bill était en prison parce que Ouamara Bi en a sauvé. Ces Mercedes-là, ces camions ont disparu. Sa voiture et ses voitures de luxe là, tout ça, c'est parce que vous en voulez aux gens. Sinon, ils m'ont été sauvés, ils n'ont pas. Mais ils m'ont été sauvés, ils m'ont été réveillés, c'est quoi? Ils ont compris, c'est non. Ranaïan, il bat le magot. On a compris beaucoup de choses. On a poussé, même les Libanais qui vous donnaient de l'argent là-bas. Voilà. Hein? Rien comme son mari là. Et dans nos balades, nous, créons des vies. Oui, officier, rien à créer, comme son mari là. Moi, Vincolo. Ma flore. Voilà. Alors, parité. Trop, c'est trop. On a mis les beaux les sous, les pays. On a mis les sous, les sous. On a mis les sous, les sous. On a mis les injustice dans lui. Ce n'est pas de procès, ça. C'est une farce. On a mis la bafille. On a mis les bénamis de Nara. Comment voulez-vous que vous voulez nous faire accepter que. Non, mais ils prennent pour des oeuvres. Quand même. Arrêtez ça. Non, mais 2010 et 2024, beaucoup, hein, et mais les gens ont évolué, hein, les gens ont évolué, et les mentalités ont changé, le monde a évolué, si vous n'avez pas évolué, pourquoi vous êtes étonné? Vous êtes étonné quoi? Qui a rédigé le discours de Mamadi? À l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le monde est démocratique là, que ce que ça se passe là, il n'est pas d'accord, mais il n'est pas d'accord, il a été clair. Maintenant, il veut gouverner la Guinée autrement. La gouvernance autrement, c'est avec la force ou bien c'est avec quoi? C'est une dictature, mais même pas éclairée. Parce qu'une dictature, ben, si elle est éclairée, au moins ça peut passer. Parce que là, ça tient compte des intérêts du pays. Mais attendez, vous ne voulez pas le génocide en Guinée. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est pire que le génocide qui s'est passé au Rwanda. C'est pire. Parce qu'il y a eu des gens, des familles décimées. Hein? Et dévastées, des familles. Et jusqu'à présent, vous continuez la même chose. Même quand il y a mort d'hommes, il y a des jeunes qui ont été vénérés par Yémanek. Vous n'avez même pas daigné de mettre notre drapeau en berne. Ma colonne de Rélabar, ou bien décrété au moins deux jours de deuil. Ou ma Bama. Ou ça ne m'a poussé pas. Ou ça ne m'a fou. Fou. Ou ça ne m'a fou. C'est pour tout simplement faire plaisir aux gens. Et là, Mansour Fadiga, fais comme votre père. Et Irouna Mini. Et laisser des connivences. Il n'a pas là. Il va vous faire là-bas. Il va vous combiti. Allez, il est dans le cama. Il est là-bas. Et ma connue, on a dit la vérité ici. On a dit qu'on a combi. Mais alors, on a combi. Alors, on a dit qu'on avait fait dans la maraba. Mais on fait peut-être tout. Depuis que vous avez commencé à parler de paradis, vous êtes dans quoi? Hein? Maintenant, c'est transformé en affaire. Parce que vous faites des choses, vous dites des choses. Le contraire, quand c'est noir, vous dites que c'est blanc. C'est ce que vous avez appris pour manipuler les gens. Ils n'ont aucun niveau. Les gens qui confondent même les citations d'Abraham Lincoln et des citations de Bob Marley au constitutionnalité des filles. Ça, c'est quoi ça? Vous donnez la parole à des enfants que nous venons, nos propres enfants. Arrivez à parler à Cotia.
Mais s'ils sont qualifiés, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas qualifiés, hein, tous ceux qui sont brillants, vous les enterrez. Et vous donnez la parole à des gens qui n'ont aucun niveau. Et vous voulez que le pays évolue avec ça. Mais quand vous prenez un faux médecin, vous l'envoyez à Donka, il devient un assassin autorisé. C'est comme ça. Et nous sommes dans cette pagaille-là. Et nous ne pouvons pas nous en sortir. Voilà. Alors, le patriotisme d'affaires, il faut que ça s'arrête. Parce que tous ces gens-là, Bill Balora est en amour, Mahanto Dédaré, aussi tellement c'est même pas comme ça, dans la école. Après, nous serons à Baïtra, à commerce à Baïtra, ou à un peu plus que le monde à Baïtra. Amouna. À Wali, il était le cancan. Voilà là-bas. Amouna. À famille Bri. Elle est accrochée à l'État. Oui. Elle est partie à la retraite. Elle fait des gymnastiques. Elle ne fait que faire la promotion de ses enfants, de sa belle famille, de son clan, ainsi de suite. Il y a même ses parents qui sont morts au Kambouarou. Elle n'a même pas daigné condamner ça. Elle a justifié ça. C'est parce qu'elle était dans le clan. Mais attention, pourquoi il a payé Manéen à un? Écoutez-nous très bien. Vous pensez que ce que s'est passé au Pobo Nalanda Bafi avec Onalanda Bafi, vous connaissez tout. Faites semblant de ce qu'on dit aujourd'hui. Tous ceux qui ont fusionné, qui ont supporté Alpha en 2010, ils l'ont fait pour leur intérêt. Ils n'ont même pas consulté leurs militants. Certains n'ont même pas consulté leurs militants. Il y a d'autres qui ont été violés au stade. Vous n'avez même pas daigné. Vous pensez que les femmes là n'avaient pas de mari? Vous pensez que dans leur famille, il y avait certains qui ne voulaient pas, qui voulaient qu'ils vous suivent, qu'elles vous suivent, pardon? Vous parlez de ma maman. Tu es un homme d'État. Quand tu es un homme d'État, défends ta conviction. Il ne faut pas, la pauvre Raja. Elle est religieuse, elle n'est pas dans les combines. Elle a dit clair, moi je suis pour elle. Ah non, n'est dans un colo, m'barankandi, ma barano. C'est fini. Ne m'a pas revoir avec lui, voilà. Il fait bébé, quoi. Non, arrêtez ça. On a roulé dans le puits. Si vous avez choisi, vous êtes parti avec Alpha. Alpha vous a donné des postes. Vous avez été son porte-parole. Vous avez assumé. Il faut assumer. Après, vous avez quitté là-bas, vous avez piétonné. Vous avez même renoncé à l'identité de votre parti pour diluer ça dans le FPJ à Cantier. Vous n'êtes pas l'engrais. Vous avez fait, assumé vos faits et gestes. Attendez là, il n'a pas fait. Il l'a fait. Ah oui. Voilà, il y a d'autres qui n'ont pas fait, pardon. Il y a d'autres qui ont refusé. En tout cas, il y a d'autres qui étaient des alliés, mais ils ont gardé leur parti. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont dit qu'ils ne le feront pas. Heureusement, Kaba a donné son parti. Et après, il a créé un autre parti. C'est ça la vérité. Mais n'a pas parti bien créé. Oui, on va vous rabiner. Au parti criminel, Boudou. Au parti criminel, quand les élections étaient proches. Quand vous avez créé des partis, vous avez affaibli Alpha. C'est pourquoi Alpha n'est pas parti au second tour. Vous avez changé les résultats. Non, on dira. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Pourquoi Dieu est fâché? Parce que on a autant la barrière qu'on a depuis au bas. Et 2010, Dieu nous a donné le chemin. On a rempli le boulot, on a ramassé ça, on a volonté imposé. Depuis ça, la Guinée est dans les ténèbres. Depuis ça, Ebola Mara et Covid Nara, Anamara Moussé, ainsi de suite. Ebola ne vit pas de midi à part Moutanamboy. Basse compte à nous forêt. Et puis, il y a un canamara de... Ils nous ont décimés. Non, oui. On m'a même dit par là. Ah, voilà, ma frère. Parce que lui, il s'est mis des parties et tombé sur la bande et puis. Courant, il y a une autre, Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Même si il y a 4 pays, il fallait payer encore de l'argent. Il m'a couru par là. Il m'a mis dans le cas de ma copine, ma fille. Mais autant, il y a ma queue. Alors, il y a une autre. Ce que vous avez fait dans ce pays, c'est très grave. Même si c'était une armée d'occupation. Même si c'était des rebelles qui étaient venus, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Non. Et puis, voilà. M. Bangoura, je vais vous dire, à Kanaïbola, la situation, ma bille, quoi, n'arrive pas matina, au bari, wonga kri, que tout le monde parle, finan, banga kri, là. Mais Moubata, Mara Sindina, ça, c'est un dossier qui est très important. Mais détaillé, m'en bé, détaillé, m'en bé, y'en fait, Mon frère. Mais il n'a rien fait.
Bas mon frère, mon acclif à la machine. Mon frère, comme maintenant, il a dit, il a dit, il a dit, ton métier, mon aïe, à la métier, la Guinée, là, il profitera sur la Guinée, avoir ce palais qu'il faut pour finir avec ton mari, ma femme, et n'a. Tu sais, on avait dit ça ici que, un femme, il m'a parlé qu'il m'a dit, finir avec la marabine. On a fallu, on a eu fallu, là. Il y a que l'une des raisons pour le coup d'État, là, c'est pas un coup d'état d'ailleurs, c'est une prise de pouvoir, parce que j'ai toujours dit que coup d'état mara. Oui. Et c'est ma position, parce que le coup d'état là-bas, constitution Bastarapi, et constitution Aboli, n'est pas un coup d'état là-bas, les gars. Oui. Les militaires ont ramassé le pouvoir. Ils l'ont pris, parce que la constitution était falsifiée. Et même la constitution qui a été supposée adoptée a été falsifiée. Mais on a ma mémoire, mon amour, ben. Mais M. Kourmane, le secrétaire général du gouvernement, on a eu deux versions de la Constitution. Et dans ça, référendum, à nous, on n'a pas eu sur laquelle Mara. Mais ce n'est pas là-bas qu'ils ont changé beaucoup de choses. Même le poste du vice-président, ils ont changé beaucoup de choses. Ils, oui. ils ont raboté tout. Oui. Mais pour Dendi Manoa. Faut Nanaki. Mais vous avez fait un débat, Radio France Internationale. J'ai écouté Cheikh Sako. Avec un constitutionnaliste sénégalais. Non, n'a pas la Guinée, c'est jamais vu, ça n'a jamais été fait dans un pays. On pouvait accepter, il y a eu fraude, on pouvait accepter que ça s'est passé comme ça. Mais même ce qui a été soumis au peuple de Guinée, ça a été encore falsifié. Oui. Par qui? Par Tonton Fofana, l'ancien ministre de la justice. Conseiller personnel de Alpha Condé et Mouri Doumbouya. Oui. Et qui encore? Maintenant, il faut situer cette responsabilité. Voilà les gens qui nous ont amenés dans cette pagaille-là. Les gens qui se promènent librement. L'autre fait sa comparaissance et sa comparaissance ailleurs. J'ai même sa photo ici. Quand il était sur son emploi au Canada. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous laissez tomber tous ces gens-là. Vous en prenez à des gens. Et les plus faibles. Oui. Et vous dites que vous êtes en train de faire de la justice. Quelle justice vous voulez faire? La justice des vainqueurs, comme disait l'autre là. Mais c'est ça, d'être des fascistes. Mais c'est pas possible. Quand vous faites la distinction entre vos citoyens et un État qui met la distinction entre ses propres citoyens, c'est un État fasciste. Vous avez fini sur tout le monde. Oui. D'autres sont des citoyens, d'autres ne sont pas des citoyens. Ça, c'est quel pays, ça? Tu es persécuté parce que tu es sous-sou. Tu es persécuté parce que tu es peul. Tu es persécuté parce que tu es forestier. Non. Arrêtons ça. Arrêtons. Même la veuve de cette courée-là, elle est forestière. C'est que vous ne savez pas. Elle est forestière. Son maman est de Massanta. Non. Son père qui est français. On a poussé où les qualités mauvaises. Vous pouvez préférer le Rwanda par rapport au Congo. Un pays plus grand. Et quoi dans son bébé, quoi c'est pas ma bébé. Hein? Congo qui chasse. Mais où la Luna, vous prenez un petit morceau qui est Rwanda. Et puis un état prédateur encore. Non, c'est une honte. Vraiment. Très bien. Alors, il est... Justice Mouna, la justice d'abord, on va pas bien n'abé. On va pas bien n'abé. Mon frère, on n'a pas le fait. On va pas bien n'abé, on va pas bien n'abé, on va pas bien n'abé, on va pas bien n'abé. Bon, il n'y a pas dit. C'est ça. Bon, il n'y a pas dit. Ça y est, il n'y a pas dit. Voilà. Mais il t'en a raoutou, contravention de raoutou sur la cause, il t'en a sa fille. Et en contrebattant dans ta matisse, il n'y a pas de ma fibre. 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 Il n'y a pas. Mais alors, mais parlons peu, parlons bien. Il a dit la guerre à la vie. Il a dit la guerre à la vie. Il a dit la guerre à la vie d'avocat. Il a dit la guerre à la vie. Il a dit la guerre à la vie. Après, il a dit la guerre à la vie. Il a dit la guerre à la vie. Mais, il y a un bon rapport. Non, d'abord, il me faut mort. Alors, on n'a pas le pire au pays. À la paix, en la paix. Mais, il y a un bon rapport. Il y a un bon rapport.
Chaque fois, on m'a dit non, c'est parce que, voilà, il a radié ça, m'a dit Ngaouma, on a fini mais on a voulu la qu'une qui. Puis l'État. Mais États-Unis, on a qu'une équipe. Et puis, il a radié ça, Ngaouma, il a radié ça, Ngaouma, on a fini ma tendera. Ça, c'est pas du favoritisme, c'est de l'escroquerie même. Parce que là, ça a un argument, on a pas un argument, mais ça a un argument, on a pas un argument. Il a radié le mané, Aminata, Nyenani, ce que tu l'attends. Vous voulez dire, mais qui peut nous respecter avec ça? Dans cette hypocrisie institutionnalisée, qui va nous respecter dans ça? Et puis, n'ont même pas honte de faire comme ça, de travailler comme ça devant une. C'est-à-dire, et ils pensent que la Guinée, c'est notre pays, c'est notre coin. On parle. Arrêtons ça. On va leur admirer ça, Maman Ngaoumba. Mais moi, il m'a tout fait. Après, Maman dit, moi, à tout. D'ailleurs, c'est Ramonaki. Monsieur Ngaoumba, d'ailleurs, c'est Ramonaki. Monsieur Ngaoumba. On a roulé dans le puits. Alors, je vous en prie, mon frère, on nous devons défendre du mal, mais au nom d'une défendre du mal, on n'en a pas l'air. On m'a pas un net non dit, on a nieri, on a un bourra, on a un mania, on a un bourra, on a un nion, on a un nion, on a tant que on a un sani, on a un lipan, on continue l'imba, à la rallye d'un net, on a un alphabet bien, on a un nara, on peut dire par la paix, à ma paix. Une constitution massacre à ma mort depuis. Quand ma massacre à Tanira, il y a massacre qui est intérêt en bas. Population Boutimba, la population moins adhérée, ça veut dire qu'on n'a rien à voter. Ça ne va pas aujourd'hui, on a dans un puits. Nous sommes gérés par la volonté d'un seul individu. Ce n'est même pas Mamadi qui gère la Guinée. Je vous le dis, quand il m'a dit tout à l'heure, ça roule, je vois, il n'a pas fait de rôle. Avant ma gourou, avant de faire. C'est Idi Amin qui gère la Guinée par procuration avec un certain nombre d'officiers. À nous politiciens, là, nous ne déclarons pas. La Guinée est gérée dans l'informel. C'est le groupe de Kouyaté, le groupe de Komora, Sarandaraba, Malfi Dané, et Idi Amin et autres. Mais là, la Guinée est gérée. Madame Nicolas Aubert, on a sabi votre Yoruba. On a Massami Bete Yorumba. La Guinée est gérée dans l'informel, avec certains anciens de PDG. On a dans l'appui, avec les coordinations là. Mais parmi les coordinations, il y a des gens qui sont là-bas, qui étaient les anciens fonctionnaires de Cambo. Papi Dani, c'est un ancien de Cambo. Et il n'a même pas caché. Il le sait. Il était dans les services spéciaux. Pourquoi t'as mouji, au juge Kebro, Kebro a été dans le service spéciaux. Kebro n'a rien à dire, service spéciaux pénal. Les services spéciaux, ça existe, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, les services spéciaux existent en Guinée. Tout ça, tous les crimes sont couverts par ça, services spéciaux. Ça veut dire que nous avons fait un service spéciaux là-bas. Il y a un service spéciaux là. Mais les services spéciaux sont régis par quel texte? Ça existe en France ici, ça existe dans d'autres pays, et la Côte d'Ivoire a normalisé. Et quand vous êtes dans un état normal, mais il faut que le statut de tout le monde soit connu. Il n'y a pas marre connu. Et une porte est disparue en Guinée. Une dernière moto. Mais tout septembre, il y a eu des gens qui ont disparu, les disparus. On avait, où est le soigné, Paris, lors du colloque, il y a même une dame, Hanagawa, une dame la fleur déposée au Mambassa de Koukoui. Avec cette dame-là, son mari a disparu. Il y a eu 89 disparus. Et quelques.
99 et quelques disparus. Un dernier bouton. Au procès de Nabafi, on a voulu Nabafi est en train de normaliser quelque chose que d'autres aussi ont fait en 2010. Mais ça va vous rattraper tous un à un. Ça va vous rattraper tous un à un. Voilà. On ne peut pas gérer. Moi, nous ne sommes pas contre que l'aller soit jugé. Il est venu de lui-même. Et il a toujours réclamé qu'il soit jugé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a toujours réclamé « Jugez-moi, jugez-moi ». Ça ne veut pas qu'il n'a pas voulu. Il a dit « Jugez-moi ». Mais en ce moment, parce qu'ils avaient raturé certaines populations de la forêt, quand on avait jugé. Parce que tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère Malik? Quand Denis a perdu sa maman, que son âme repose en paix, Denis est venu. Et là, ça reste libéré à Nanda. Toi, là, libéré à là. C'est l'aide de camp de Blaise Compaoré, Gilbert Tengere, qui a amené Dadis, de Libéria, et Rassou, aéroport de Zérekoré. Mais Pénaran Dangui, moi j'étais à Ostende, j'étais en Belgique. J'ai vu ça en direct. Pénaran Dangui, mon frère, ils ont compris que Dadis était populaire. Tu vois, on comprend? En forêt, Nahani, je crois que Rassane Ankouleba, en Asga, et là, la couleur de Dadis c'est populaire à ce moment. Maintenant, Dadis s'est infiltré et là, la Rabini. Et là, la Rani. On dirait un otage. Depuis ça, tout a été orchestré. Et donc, moi, Dadis, tu vas bien être à toi, voilà. Papa Koli, va voir à toi. Papa Koli, n'a vidé. Tu peux juger Dadis. Non, ma mère, tu peux juger Dadis. Papa Koli, il est encore sorti de la Guinée. Et de sa chérie. C'est pas le conseiller de Dadis. Oui, c'était lui le conseil. C'est pas lui qui disait qu'il y a eu des morts partout, ainsi de suite. Bon, pour un pouvoir, c'est toujours comme ça en Afrique. Il a parlé, il est où? Non, c'était là-bas. Et c'est les gens-là qui ont créé encore des partis politiques en Guinée. Non, mais ce pays-là, c'est un pays riche. Non, mais c'est le pays à l'image de votre général, hein, qui s'est. Dans le grand tournoi, ça a été bon. Ils ne vont même pas discuter, c'est les photos seulement qu'on fait sortir. Mais les photos ne parlent pas. Il y a des bien, oui. Il y a des tout, c'est catastrophique. Hein? Voilà. Que sa tombe repose en paix. Et voilà. Hein? On dit l'âme repose en paix. C'est la tombe qui repose en paix. Alors, ce oui. Alors, Gabriel, il avait. Là, il dit, Allah, Mohamed Rasoul, là, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme faut, place faut. Non, on a logique d'avant-bas. Il faut faire un peu de temps. Oui. Et vous, c'est la laisse, on a la laisse, on a la laisse. N'appuyez pas à la laisse, on a dans ça. Ils sont partis transmettre les messages de Idi Amin. Il m'a non. Idi Amin Nantia, voilà. Il a continué à stigmatiser. Après la Guinée. Il a dit en français, et puis il y avait devant les officiers. Il est allé jusqu'à reconnaître que lui, son grand-père, était un esclavagiste. Parce qu'il est camarade. Il a tenu des propos extrêmement graves pour un officier de son rang. Si il en est un, il ne devrait pas parler comme ça. Dans les autres pays, il allait être destitué le même jour. Ah oui. Voilà. Si ce n'est pas lui qui gère la Guinée. Mais rapport de forces en sa faveur, Mamadi s'est débarrassé de ses meilleurs lieutenants. Aujourd'hui, il est exposé. Voilà. Ils connaissent la capacité de réaction de certains. Ce qu'ils pouvaient. Quand tu débarrasses ton chef des opérations, mais c'est fini. Parce que c'est Adia qui devrait être ministre de la Défense. C'est ça la vérité. Vous avez usurpé tout ça. Après, Sadiba est parti. Vous avez pris tout le monde. Après, maintenant, Mamadi est encerclé. Et à cause de ça, Manari.
il n'a pas fait la Kenya, il n'a pas fait là-bas. C'est ça la vérité. Il n'a plus la boussole. C'est fini. Tout ce qu'il a dit, il ne peut rien faire. C'est pas lui qui gère aujourd'hui la Guinée. La Guinée est gênée. Lui, il fait que signer les décrets. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Et alors, non. Et tout, on ne sait pas la malignité. Non. Le pays est bloqué, le pays va très mal. On ne peut pas avoir de l'argent avec les institutions internationales. On ne peut pas avoir de l'argent avec d'autres institutions. C'est pratiquement impossible. Et le pays est inendetté. Personne ne va vous donner de l'argent. Et si Mandou, vous ne pouvez pas, ça peut lui faire des procès encore. Parce que Alpha a signé des contrats avec un gouvernement à peu près, voilà, hein, et un régime boiteux. Maintenant, vous êtes venu, un régime d'exception, vous voulez faire encore des choses, ça ne marchera pas. Les contrats que vous avez signés, c'est des contrats qui ne vont nulle part. Et si vous pensez que votre CNT, c'est la représentation nationale, ce n'est pas la représentation nationale. La représentation nationale, c'est l'Assemblée nationale. Les gens qui ont été élus et de façon démocratique. Voilà. Mais vous n'avez jamais été élu. Vous ne pouvez pas parler au nom. En tout cas, parler au nom de tous les Guinéens, mais pas à mon nom, à moi. Moi, je ne vous ai pas donné. Voilà. Vous ne pouvez pas parler à mon nom. Il faut m'exclure aussi. Je ne suis pas représenté là-bas. Et ce que je vais vous dire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut représenter sans que je te donne. Mais je peux ne pas voter pour toi. Mais si les autres ont voté pour toi, ce n'est pas la peine. C'est bon. Mais personne n'a voté pour personne. Vous êtes là-bas et vous êtes en train de défendre vos propres intérêts. C'est ce que la vérité, c'est ça. Parce que vous êtes en train de mettre dans votre constitution là, projet de constitution, pardon, qu'il y aura une partie des députés ou des sénateurs qui vont être nommés par Mamadi. On vous attend. Voilà. Qui est faible pour vous envoyer là-bas parce que, comme c'est dit que tous ceux qui sont en train de gérer la transition, vous ne pouvez pas être candidat à l'électricité. Ou non, ma. Et c'est de là-bas, je vais me dire. Et après, Mamadi n'a gagné, il est champion, il n'a pas été, c'est de là-bas, il n'a pas été, il n'en est pas question. Voilà, mais, à mon moment, il y a un. C'est comme ça que ce qu'on a fait. Il est venu au pouvoir. Il a écarté la liste. Il est venu au pouvoir. Il a donné l'image d'un président par intérim. Qu'il a sur l'intérim. N'a intérim dans le Rika, non. À Moussiraba. Tous les gens de David Salah avaient écarté. Il est venu. Tous ceux qui doivent gérer la Guinée avec Alpha, il les a tous placés à des positions de force et à des points stratégiques. Ils ont fait un hold-up électoral et après, maintenant, ils ont décrété des choses. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, on les a éliminés un à un. Et ceux qui voulaient dénoncer, qui ont été trompés, ils ont été promis, ils n'ont pas reçu leur argent, ils les ont éliminés un à un. C'est ça la vérité. Vous ne voulez pas que Toumba parle. Vous avez opposé Toumba et Dadis. Et Toumba, maintenant, il se rend compte qu'on l'avait utilisé dans le procès. Voilà. Et pourtant, seul la vérité peut libérer tout le monde là-bas. Ce n'est pas en disant à Dadis, c'est Dadis qui a fait de toi. C'était le mais même si tu étais fort, les Guinéens ne te connaissaient pas. Vous t'en tout mis Colo. Tous ceux qui ont fait Coloma, ceux qui ont fait. Et Kamouya, Cité de l'air, aviation militaire Beni, ceux qui ont fait Cité de l'air, ils n'ont tout mis Colo. À nous, on a mis le bataille là-bas. Mais, on a mis Colo, il a tout de Colo, c'est Dadis Daraba. Il a Kamouya, tout le monde, mais déjà, c'est tout le monde sait que, en tout cas, à ma connaissance, Toumba n'était pas avec nous. Il y a des jeunes peuls, des sous-sous, Bim Nakora. Parce qu'Anga d'abord, sa maman est peul. Même. Elle avait la femme. Sa famille a trop subi. Il y a eu des innocents qui sont morts dans sa famille. Je le regrette. Et je le dis. Ce que Toumba a fait n'est pas imputable à sa famille. Ce qu'il a fait, c'est lui seul qui devrait prendre fait semblant et n'a fait payer. Et Rami Nara, quand Rami Nara, c'est famille. C'est lâche. Voilà. Et après, on le dit, non, on va te garantir ceci, cela. Maintenant, vous voyez le danger.
Les gens sont en train de plaider maintenant et en train de défier parce que vous avez refusé de parler. La vérité, c'est que vous connaissez la vérité, mais les gens, vous avez parlé une partie de la vérité, vous n'avez pas tout dit. Voilà. Et pourtant, quelqu'un. Ça, ils sont là-bas. Le chef d'état-major qui était là-bas avec Toussano, il a été clair. Et il a été clair. Il a dit, si tu as été à Kalea et tu as été recruté, ces recrues-là, personne n'a été radié. Donc encore dans les rangs. Ça veut dire que c'est des gens, c'est Kouba. Quelqu'un a pris soin dans son village, chacun a pris. C'est ça la vérité. Et pourtant, lui, son village, c'est Conakryan. Mais il n'a pas pris des gens de Conakryan. Il a pris seulement quelques-uns des gens de Conakryan. Il est allé prendre des gens dans son village. Voilà. Miné. Voilà. L'armée de Sana, l'armée de quoi? L'armée de Jor, l'armée de quoi? Quoi, quoi, quoi? On dirait que, franchement, c'est pour montrer que vous n'avez pas été des républicains. Vous n'avez pas reçu de bonnes formations. Sinon, un militaire n'est pas inclus. Thank you.